Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau numéro de Actu Ifra. Le thème d'aujourd'hui, c'est le mois de décembre. Et on se retrouve bien sûr après le générique. Qui vous disait? Non, c'est bon. C'est sûr? Oui, mais je voulais juste un renseignement. Ah. Mais c'est bon. Mais c'est pas pourquoi vous me dérangez alors. Ce mois de décembre, pourquoi vous allez appeler les gens pour rien? En tout cas, pardon, vous avez raison. Ok. Allez-y. Bonne soirée. Problème, j'allais pas. Hey. Mesdames et messieurs, nous sommes en décembre et décembre, c'est le mois de tous les risques, le mois de tous les dangers, c'est le mois de toutes les folies. C'est le dernier mois de l'année, mais malheureusement, c'est le mois qui nous pompe le plus d'énergie. Tout le monde est tac, 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 il faut trouver les moyens pour les fêtes de décembre. Décembre, c'est la folie, c'est la furie, c'est la vitesse partout. Mais décembre aussi, c'est le mois des risques. Et mes amis garçons, faites attention parce que c'est le moment où les filles sont aux aguets. Et elles sont là, elles fouinent, elles cherchent l'argent. Donc, si tu n'as pas l'argent, ah, c'est le mois de tout silence pour toi. C'est le mois de te cacher parce qu'elles sont là. Et elles sont là par... Et celui qui ne peut pas gérer, ben, les reléguer au second plan. Tout est risqué. Hey, chers garçons, on ne drague pas en décembre. Les filles ne disent jamais non en décembre. Si tu veux, faut être vilain, comment. Il faut marcher comme la mort. Elles vont toujours dire oui. Parce qu'elles font des calculs. Elles font des calculs par-ci, par-là. On ne sait pas qui va miser le plus. Il ne faut pas diminuer les chances. Mais toi qui n'as rien, tu sais que tu as ta petite go. Tu lui donnes des petits jetons. Souvent même, tu ne lui donnes rien, mais elle est là calée. Tu sors, c'est toi qui vois les jolis go avec les mèches bien habillées. Et c'est toi qui veux draguer. On ne drague pas en décembre. Ce genre de go, c'est danger. Quand tu vois ça, ça doit être sans interdit. Sans interdit. N'approchez pas. C'est des femmes qui vont encaisser. Elles vont encaisser tout ce que toi-même tu as dépensé et que tu penses que c'est toute ta fortune. Et le jour, allô, bébé, je suis malade, je suis couché, maman, pète. Mon ami, il n'y a rien, elle n'est pas malade. Il faut savoir seulement qu'il y a un autre qui a misé plus que toi. Si tu n'as pas l'argent, appelle ta petite go, vous sortez, pétez ensemble. Ou même, faites seul. Ça fait quoi? On se retrouve tous en janvier. Voilà. Tous ceux qu'on a laissés en décembre, tous ceux qui n'ont pas pu garder en décembre, on va se retrouver tous en janvier. Donc, mieux vaut patienter. Les autres vont entretenir. Toi, tu récupères en janvier. En décembre, le conseil que je vous donne, cher garçon, conseil que je vous donne, hey, évitez de déshabiller ce que vous n'avez pas habillé. Et surtout, évitez d'habiller ce que vous n'êtes pas sûr de déshabiller. Hein? À bon entendeur, salut.